Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. $27, s'il vous plaît. Et c'est bon, le paiement est accepté. Au revoir et joyeux Noël. Tenez, Père Noël. Oh oh oh, merci beaucoup. J'espère que tu as été sage. Et ton sapin ressemblera à celui-ci. Plein de cadeaux y seront. Oh oui, Père Noël, j'ai été très 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 sage. Oui, c'est vrai, Père Noël, Brian est un enfant très gentil. Oh oh oh, on se retrouvera peut-être le 25 décembre alors, Brian. Ah, la journée est enfin bientôt terminée. Ouh, il fait chaud là-dessous. Je vais aller te chercher un bon verre d'eau. Ouais, j'en aurais bien besoin. Bonjour. Ah, madame, nous allons bientôt fermer. Ah, parce que moi je cherchais juste un ballon de foot pour mon neveu. Bon, s'il vous faut juste ça, c'est d'accord. J'ai d'ailleurs ce qu'il vous faut. Ah, merci beaucoup. Bonjour. Ah, bonjour. Et voilà, madame. Madame. Ah, pardon, excusez-moi. Ça vous fera $10. Voici. Merci. Bon bah au revoir, bonne soirée et joyeux fêtes de fin d'année. Merci, vous aussi. Madame, votre ballon. Oh, merci beaucoup. Tenez. Ah, merci. Les lunettes vous vont très bien. Ah, bah merci. Vous aussi. Bon, Mérida, je pars. Ok, eh bien, à demain, John. À demain, au revoir, Mérida. Maman! Oh, Harry! Et ça va, maman? Oui, il a été très sage. C'est bien, Harry. Vous avez fait quoi? Avec mamie, on a fait des gâteaux. Et ils ont l'air trop délicieux. Il faudrait d'ailleurs qu'on rentre à la maison, parce que sinon, ça va être cramé. Bon, ben, on y va, alors. Voilà les beaux biscuits. Waouh, ça a l'air délicieux, ils sont super beaux. Il y a de la cannelle, maman, car je sais que tu adores ça. Merci, mon chéri. Ils ont l'air délicieux. C'est super ce que tu as fait. Merci, maman. Allez, je fais ma gourmande, j'en prends un. Attention, c'est très chaud. Et oui, Stiti. Et voilà, c'est dans la boîte. Merci, Père Noël. De rien. Bon, viens, on y va. Au revoir, Père Noël. Au revoir. Hey, John. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es pas comme hier? Ouais, désolé, je crois que j'ai pas fait mon rôle au sérieux, là. Non.
tu as pas été le Père Noël là, tu as été John. Tu as été John le malheureux. Mais une fois que tu mets ton costume de Père Noël et que tu t'assois dans ce fauteuil, tu deviens le Père Noël. Celui que les enfants adorent, admirent, attendent toute l'année. Ils veulent voir un Père Noël gentil, heureux. Oui, mais le Père Noël aussi a droit d'être malheureux. Pas ici. Dans cette boutique, je veux voir un Père Noël heureux avec les enfants. Qu'il puisse te regarder avec des étoiles dans les yeux. Désolé, je te promets de me remettre bien. On en parlera après. Alors du coup, c'est un tracteur qui est radiocommandé et les piles sont incluses. Bon, bah je crois que je vais vous l'acheter. Bon, John, aujourd'hui tu n'as pas été à la hauteur de mes attentes. Je suis désolée, Mérida, demain ça ira mieux. Il y a intérêt. Sinon, je vais devoir trouver un autre Père Noël. Non. Je suis le bon Père Noël pour ta boutique. Alors demain, prouve-le-moi. Oui. Je sais pas ce qui se passe dans ta vie. Si tu veux m'en parler, n'hésite pas. Non, c'est rien, t'inquiète. Bon. Eh bien, à demain, John. Merci, toi aussi. Allez, bonne soirée, repose-toi. Ouah, maman, ils sont trop beaux les sapins. Oui, tu vas choisir celui que tu préfères. Hey, salut. Bonjour. Ça va? Bah, pourquoi vous posez cette question? Bah, je m'intéresse à mes clients, c'est tout, pourquoi? Ah, oui, bien sûr, non mais... Bon, du coup, vous êtes là pourquoi? Bah, je sais plus. Mais vous êtes là pour un sapin, non? Ah, mais oui, bien sûr. Bon, du coup, vous voulez lequel? Moi, je veux le grand là-bas. Mais on n'a pas assez de place à la maison, Harry. S'il te plaît, maman. Allez, madame. Vous savez, en termes de sapin, tout passe, hein. Bon, si tu veux. Allez, let's go. Merci, maman. Bon, bah merci beaucoup. Oh, il n'y a pas de quoi. Bon, au revoir et joyeux Noël. Oui, vous aussi. Oh, pourquoi t'as dit ça? J'aurais pu dire... vous aussi. Non. Maman, pourquoi tu parles toute seule? Tu préfères pas mettre le sapin sur toi, là, au lieu de parler toute seule? Tu as raison, chérie. Alors, comment je vais m'y prendre? Bonne question. Bah. Oh, oh, ah, oh, oh, ah, non, pas encore une fois. Ah, je vous vois galérer depuis tout à l'heure, vous avez besoin d'aide. Volontiers. Vous pouvez m'aider parce qu'il est vraiment très lourd ce sapin. Oui, vous en faites pas. Oh, attention. Ah, ce sapin, dis donc. excusez-moi. Vous pouvez m'aider à me relever, s'il vous plaît. Hein? Oui. Merci. Bon, maman, on y va, là. J'ai envie de faire pipi. Bon, bah, il faut essayer de vite mettre le sapin sur toi. Bah, merci beaucoup d'avoir mis le sapin sur le toit. Sans vous, je sais pas comment j'aurais fait.
C'est normal d'aider ses clients, non? Jusqu'à leur voiture, je sais pas. Je peux faire quoi pour vous remercier? Oh non, mais vous en faites pas. Non, mais j'insiste vraiment. On peut se donner rendez-vous pour boire un verre? Bah, ok, d'accord. On peut faire ça demain? Demain, pas de soucis. À demain alors. Bon, bah c'est la fin de la journée, tu peux te rhabiller normal. Ok. En tout cas, aujourd'hui, tu as été beaucoup mieux qu'hier. Et je suis désolée de t'avoir menacé en te disant que j'allais trouver un autre Père Noël. En fait, c'est toi le meilleur Père Noël. Eh bah dis donc, mais Rida, t'es super heureuse, hein. Je dis pas que les autres jours t'étais malheureuse, mais je sais pas, t'étais... Là, t'as un grand sourire sur ton visage. Oui, je sais. Mais c'est parce qu'en fait, ce soir, j'ai un rendez-vous avec... Non, mais c'est bon, j'ai compris, t'as un date. Mais non! Mais tu mens tellement mal. En tout cas, je suis heureux pour toi. Mais toi aussi, ça va t'arriver. Tu sais, avec la magie de Noël, on peut croire en tout, hein. Ouais. Mais si, John, baisse pas les bras. Bonjour, excusez-moi. C'est une habitude chez vous d'arriver à la fermeture. Non, mais c'est pas un objet que je veux acheter. Ok. J'étais venue voir le Père Noël. Moi? Oui, vous. Oh oh oh, que puis-je faire pour vous? Bah, on pourrait aller boire un verre ensemble. Ouh là là! Ok. Et du coup, tu t'appelles comment? Je m'appelle Molly, et toi? Moi, c'est John. Oh, j'adore ce prénom. Ah bah, cool. J'aime bien Molly aussi. J'aime bien aussi, c'est ton déguisement de Père Noël. Ouais, je vais peut-être enlever la perruque. Et du coup, ma tête sans le déguisement, ça te plaît? Oui, je trouve qu'elle est mignonne. Mignonne. Toi aussi, t'es mignonne. Et après, je peux aussi te montrer comment je suis quand j'ai pas la tenue du Père Noël, parce que j'ai un gros ventre. Mais je vais pas le faire ici, hein. Je vais pas me changer ici. Et du coup, Mike, ça fait combien de temps que tu vends les sapins? Oh, ça doit bien faire au moins déjà 10 ans que je fais ça. Mais je me suis toujours posé une question sur les vendeurs de sapins. Qu'est-ce que vous faites le reste de l'année? Personnellement, bah, je m'occupe d'eux, je les fais pousser. Après, je voyage à droite à gauche, je vais souvent à New York aussi. D'accord. Et toi, tu vends des jouets, c'est ça? Oui, c'est ça, je vends des jouets. Ouais, bah, c'est cool. C'est cool. Si je peux me permettre, tu as une tache de gâteau autour de la bouche. Ah, sérieux? Pardon. Je mange un peu... salement. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Attends, non, c'est pas ici. C'est pas là, attends. Un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Attends, si je peux me permettre. Voilà. T'as les mains douces. Ah ouais. Eh ben moi, j'aime beaucoup ton parfum. Le tien aussi. Je peux te dire quelque chose? Ouais, vas-y, je t'écoute. En fait, la première fois que je t'ai vu, je t'ai trouvé très beau. Je crois que je t'aime. Ah, bah moi aussi. C'est tout? Bah oui, c'est tout. Ah, ok. Après, on peut s'embrasser si tu veux. Pardon, je suis désolée, mes pensées ont dépassé ma parole là. Non,
viens m'embrasser. Allez mon petit chéri, on se dépêche parce que sinon ça va commencer sans nous. Oui mamie. Salut maman. Salut Harry. Salut maman. Allez, il faut vite qu'on aille s'installer, sinon mamie, elle a dit que ça allait commencer sans nous. Attendez. Faut que je vous dise quelque chose. Il faut que je vous présente quelqu'un. Comment ça? Mike, viens s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Mon amour? Bon, je voulais pas vous l'annoncer comme ça, mais bon, bah vous l'avez compris. Je suis amoureuse de Mike. Et moi, j'aime votre fille. Et ta mère, du coup. Attends, ça veut dire que tu vas devenir mon beau-père? Eh ouais, mon petit. Oh, mais c'est fantastique, c'est la magie de Noël! Eh oui. Félicitations, ma fille. Tu mérites l'amour et le bonheur. Oui, maman, moi, je suis trop content. Et en plus, il a l'air gentil, Mike, c'est ça? Hé, toi aussi, t'as l'air super sympa, Harry. Bon, on devrait vraiment se dépêcher parce que sinon ça va vraiment commencer sans nous. Bon, eh bien merci à tous d'être là pour cette soirée du 24 décembre où la mairie organise, comme chaque année, l'illumination de son sapin de cristal. Je voulais vous donner tous mes vœux pour ce Noël et que Dieu vous bénisse. J'espère à chacun d'entre vous de vivre un Noël plein de magie, de gaieté et surtout, surtout, d'amour. Je crois que c'est déjà fait. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we 3, 2, 1, joyeux Noël! Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't care if it's 10 below. He's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow.